Bonjour, suite aux couvertures extérieures de cet album ayant pour thème l'Afrique, je vais vous montrer sur cette vidéo trois feuilles intérieures. À tout de suite! À la fin de la vidéo précédente, je vous ai montré comment, avec la machine à la cinche, j'avais percé les trous des pages intérieures. Je les ai fait donc de 23 cm de hauteur par 30 de large. J'ai fait une marge à 7 cm. Pour cette première page, eh bien, cette première page, pardon, eh bien, regardez, j'ai pris mes papiers imprimés, je les ai collés de façon différente. Je vous laisse regarder. Voilà pour cette première page. Il me suffira ensuite d'y coller différentes photos et éventuellement remettre des mots imprimés sur des petits papiers pour exploiter l'endroit où c'était ou à quelle période. Une petite carte éventuellement pour indiquer l'endroit. On passe maintenant à une seconde page. Pour celle-ci, j'ai utilisé un papier verre-bouteille. Des bandes de papier que je vais positionner avec des attaches parisiennes.
Sur cette page, je vais coller ce papier craft avec un mot que j'ai imprimé grâce à mon ordinateur. Alors, je mesure l'intérieur entre les deux attaches parisiennes. Je vais découper mon papier craft sur toute la longueur, hein, 30 cm. Donc, je la découpe et je vais la plier en deux. Ensuite, je collerai dessus une inscription que je viens vous dire, hein, ce que j'ai sorti de mon imprimante. Alors après, oui, on peut s'amuser, imprimer, on peut s'amuser avec les tampons, enfin, utiliser ce que vous avez autour de vous, bien sûr. Au dos de cette page, et pour ne plus voir donc l'arrière des attaches parisiennes, je vais faire une pochette. Je fais deux marquages à quelques millimètres de différence. Car si je mets un souvenir ou quelques photos, voilà, pour qu'il y ait de l'épaisseur, tout simplement.
Ma pochette est en fait, je m'aperçois que le pliage de la marge de 7 cm en fin de compte me gêne. Donc je vais l'enlever pour celle-ci, tout simplement avec mon massicot. Ce système d'ouverture me permettra de mettre deux photos et plusieurs dans la pochette. J'ai agrémenté la pochette avec un tampon, comme vous pouvez le voir, et j'ai mis un morceau de raffia pour faire un rappel avec l'extérieur de ma couverture. Pour la troisième page de cette vidéo, j'ai utilisé un carton de 23 par 23 cm. J'ai enlevé les épaisseurs, les couches des deux côtés hein, pour faire un effet. Ensuite, je la perce grâce à ma cinche. Ensuite, alors je vais faire quelque chose que j'ai vu sur Pinterest. Voilà, je récupère quelques idées. Donc, je vais ouvrir une fenêtre de 6 par 10 cm. Donc, je mesure 6. Alors après, voilà, on peut la faire de différentes grandeurs. Moi, sur mes dimensions, 6 par 10, ce sera très bien. Donc, je découpe ma fenêtre et je vais réaliser 6 trous avec un emporte-pièce d'un côté de cette fenêtre et 6 trous de l'autre côté. Ces percements sont à 1 cm du bord de la fenêtre et il y a 5 espaces de 1 cm, ce qui nous fait 6 percements. Vous faites les repères au crayon de papier et ensuite, avec votre emporte-pièce, eh bien, faites vos percements. L'ensemble des percements effectués, je vais utiliser du raffia. Déjà, pour faire un rappel avec, vous vous souvenez sur la vidéo précédente, un rappel de la couverture extérieure. Je passe mon raffia en haut et en bas par le même percement, hein, le premier, verticalement, et ensuite, je réalise un nœud. Je vais faire exactement la même chose aux 6 percements. Je passe mon raffia en haut et en bas, et je fais un nœud. Voilà ce que cela donne une fois terminé. Ensuite, il me reste à embellir, à mettre des papiers imprimés à ma façon pour embellir cette page. Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela vous aura plu et vous aura donné des idées. On se retrouve bientôt pour d'autres pages. Au revoir!